suis prêt à y aller. Bien reçu. Par contre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a une grande salle, ça c'est sûr. Bien reçu. Et c'est pas rassurant pour autant. On peut y aller. On va recharger les armes. Charger et parer. Je suis de retour. Ouais, pour la baston. Allez, voyons voir ça. Il y a des cyberdisques dans le coin. Ok. Chut, vous avez entendu? Donc on a du monde par là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester bien tranquillement là derrière et on va se mettre en position défensive. Que là, je crois qu'on voit pas. Hein. Compris, je fonce. Bien reçu, je bouge. Et on n'a plus qu'un soin, hein, donc il va pas falloir se rater. Je les vais tout de suite. Voyons voir, voyons voir. Tout de suite. Je suis parti. Je bouge. Ok, je bouge. Là, ça va être le point un peu critique. Allez, j'y vais. On commence à voir qu'il y a une très grande salle derrière. Voyez comment elle est faite. Donc là, on pourrait se faire flanquer de ce côté-ci. Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Et il y a certainement du monde là-bas dedans. Donc il va falloir être très très précautionneux. Je pense que je vais essayer d'avancer mes snipers. Pour l'instant, ils sont C'était là-bas au quoi? fond, apparemment. Il faudrait pouvoir mettre nos snipers sur ces positions là-bas, mais ça va être compliqué. Je suis parti. Tout de suite. On va faire avancer lui juste Ok, là je bouge. derrière. Comme ça, on n'a pas trop de vue pour l'instant. J'avance. Et on se met prêt. J'y vais. Alors là, c'est pas très intéressant, hein, ma position, mais c'est surtout pour m'assurer en fait de pouvoir avancer mes snipers au mieux et de pas me faire surprendre. Je veux pas débloquer trop d'ennemis en même temps. Parce que même si j'ai des armures, hein, j'ai pas forcément des armures très très J'y vais. puissantes. J'ai la cible en visuel. Ok, un mectoïde et des... On va se mettre en Silence. vigilance. Vous entendez rien? On va se cacher ici. Temporairement, on n'est pas vu. Allez, au sniper, et on va se mettre prêt à tirer. On sait ce qui nous attend. On va les forcer à venir vers nous. Entendu.
Ok, lien psychique créé. Et il est vu, celui-là. Bon, malheureusement, ça tire dans son bouclier. Et celui-là est ici. D'accord, une vigilance pour celui-là. Donc nos snipers devraient pouvoir faire un tir. Malheureusement, non. Ça, c'est dommage. 70% de chance de l'abattre. Chance prise et réussie. Cible Alors, abattue. Je peux plus tirer. J'ai plus rien. on va se mettre en vigilance encore. Et on voit le second. Est-ce qu'on peut? 56% de chance. Touché! Donc on a fait des dégâts au Mectoïde. C'est une bonne nouvelle. Et il est reparti de là-bas. Très bien. Alors je vais me dégager de cette zone-là parce que ça peut être très dangereux pour moi. Je bouge. Et je vais recharger mon arme. Je recharge. On va faire avancer On y va. Calféine là-devant. Et on va faire avancer nos snipers Je également. fonce. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je vois. J'espérais avoir tort, mais les extraterrestres font bel et bien des expériences sur leurs victimes. Ça ne fait plus aucun doute. Qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir? Donc là, en fait, on a un corps humain qui est en train d'être opéré en quelque sorte. Donc ça peut être très très dangereux. C'est une salle d'opération hein, ici tout simplement. Est-ce que je peux... Je suis parti. C'est pas la meilleure position, mais quelque part, il me faut au moins ça. Est-ce que je peux venir protéger? Je suis pas protégé là, hein. Le problème, c'est qu'il est là-haut, il a une position qui est pas inintéressante, Position mais le confirmée. tout, c'est que moi, il faut que je sois prudent. Là, je suis pas protégé, hein, clairement. J'irais bien me mettre là, mais je suis pas sûr d'être protégé, en fait. Je sais pas où il est, et ça m'embête. Et Chilong étant blessé. On va inverser les positions, je pense. Je suis en route. J'y vais tout de suite. Position confirmée. J'aimerais bien qu'ils viennent, ça m'arrangerait. J'étais sur la bonne arme. Ok. Allez, viens, mon coco, viens. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Ah, voilà qui m'arrange. Un premier tir à 7%, à 7 de dégâts. Et un autre tir à 5. Le mectoïde est pas en bon état là. Et encore un dernier tir au pistolet. 4, c'est bien, avance encore un peu. Leur morale en a pris un coup. Ok, ça c'est bon. Il n'attaque pas. S'il n'attaque pas, ça veut dire que c'est l'occasion de le tuer. Eu. Touché. Bien joué. Bien joué, vraiment. Ça c'est bien. Ah, ça fait du bien, ça. Je vais porter le coup de On va grâce. pouvoir avancer dans la salle. Je confirme la position. J'y vais. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien stocker dans ces réservoirs? Je sais pas, mais on le saura bien assez tôt, je pense.
J'y vais. Bien, commandant. En espérant pouvoir sauter au prochain tour, mais pour l'instant, on va rester prudent. Affirmatif. Merci. Ok. Donc on ne sait pas où ils sont, ce qui m'embête. À vos ordres. J'ai la cible en visuel. Ok, on sait où ils sont. C'est pas bon du tout. Enfin, ils sont loin encore, donc ils peuvent se rapprocher. Le tout va être d'utiliser nos snipers et de reculer Chilong, bien sûr. On va pas le laisser à cette distance-là. Plasmique. Non, on va commencer avec nos snipers. Premier coup, lui, 100% de chance de le toucher, mais au pistolet, ça m'intéresse pas. Au sniper, c'est beaucoup mieux. Alors, 100% et l'autre 76%, et on pourrait presque le tuer. Dommage, tir raté. Ah non, j'y crois pas. Voilà. Encore tir. 41% non. 61% oui. En espérant le toucher et le tuer. Touché. C'est bon. C'est bon à savoir. Pas suffisant, mais c'est bon. Alors, on va reculer par contre. Voilà, on va Affirmatif. reculer. On va être prudent. Mettre une couverture complète sera toujours mieux. On va le faire venir vers nous, le joli bébé là. On a la possibilité de lui tirer dessus. On est à 66% de chance. 5. Ah, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et il est pas mort et il va se rapprocher. J'ai peur qu'il nous tue, Chilong, pour le coup. Ça serait dommage. Donc non, il a juste bougé, il nous a pas attaqué, tant mieux. On est touché ici. Et là, ils prennent une position défensive. Ok. Donc ça me va. 100%. 60%. On va donner les avantages avec la visée holographique. Ça pourrait être bien pour nos snipers. J'ajuste ma visée. 70% de chance de toucher. Et même de tuer pour le coup. On se reverra en Joli tir de enfer. Calféine. Là, est-ce que j'ai une vision? Oui. 100% même. Salut. C'est plus une menace. Merci d'être mort. On aurait pu Bon, je aller le suis capturer, occupé. hein, d'ailleurs, en plus, j'y ai pensé, mais qu'après. Tout de suite. On va se mettre en position, on va avancer pour avoir le fond de la salle. Je ne sais pas, hein, ce qu'il y a. On va reculer, par contre. J'y suis déjà. On va aller devoir faire un soin supplémentaire. Là, on est trop blessé, pour vraiment faire quelque chose. Ça se voit, hein, qu'il nous manque des armures, qu'on n'est pas bien. Allez, on va recharger un peu Je suis l'équipement. prêt. Le dernier soin disponible. Arrête de pleurnicher, ça va aller. Ok, ça marche. Là, on va recharger Suis de l'équipement. retour. On recharge l'équipement Suis de aussi. retour. En avant le massacre. Suis de retour. Ça me va. Alors, on va. Bah, toi, tu vas rester là pour le moment. Est-ce qu'on peut se permettre d'avancer sans trop se donner? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a, par exemple, par ici, hein, donc ça peut être un peu dangereux. On va attendre un petit peu.
Là, Je on va bouge. pouvoir se permettre d'avancer parce que ça va à peu près. Là, on n'est pas trop mal. Allez, on bouge. Allez, on y va. Et on va se mettre en position. Là, on va Ok, je avancer, c'est bouge. bien. Ok, on tient la salle. Et on va pouvoir être... Bon, on est prudent, très prudent, peut-être trop, mais bon, il en faut. Ok, il y a du bruit par là-bas. Silence, vous entendez rien. Donc il reste du monde dans ce coin-là. Enfin, même à l'étage, pour le coup, hein. Là, on est en bas, mais... Peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Bien compris. C'est parti. Tout de suite. Ça marche. J'y cours. Je suis prudent, hein, très prudent, parce qu'on n'a plus de soins là. Et on n'a Je pas vraiment fonce. droit à l'erreur pour le coup. Je bouge. Y a quelque chose là-bas. Bien, commandant. J'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. J'ai rechargé. J'y vais tout de suite. D'accord. Alors, voyons voir comment on pourrait. Est-ce qu'il faudrait porter notre sniper jusqu'ici, je pense. Hein. Donc, on va se mettre là. On est en position pas désagréable. Je me dirige vers la position. Ok, on sait toujours pas ce qu'il y a. Vu, il y a du monde, donc on va se protéger. Et à mon avis, ça va bouger au prochain tour. Affirmatif. J'y vais. On va essayer de les contourner. Alors, c'est pas le rôle du sniper, hein, mais ça peut être pas mal. Des troupes ennemies. Autre mectoïde, ça c'est pas bon. Alors, celui-là va s'échapper. D'accord. Ça marche, ça marche. Comment avoir ce mectoïde? D'accord. Oh non. Oh non. T-Long va plus nous être tant utile que ça, malheureusement. Allez, on touche, il va falloir le tuer très vite, ce mectoïde. Est-ce qu'on peut avoir une position offensive On roule intéressante? à